Bonjour mesdames et messieurs, du coup on fait premier épisode de Hogwarts Legacy. Je refais Hogwarts Legacy parce que je l'avais plus dans les rediffusions YouTube. Mais de toute façon je connais à peu près comment ça fonctionne le jeu, donc vous en faites pas. Donc bon, pour ceux qui découvrent ça, donc du coup voilà. Ceux qui découvrent, je vous spoil pas certaines choses parce que je connais pas, voilà. Lecteur de menu. Désactiver. Appuyez sur touche L2 pour l'activer. Non, je veux pas de lecteur de menu. Non, merci. Il est désactivé. Option d'accessibilité. Voilà, lecteur machin, blablabla. Ok. Ça, c'est les options d'accessibilité que c'est très important. Pardon, j'ai quitté la caméra sans faire exprès. On va se mettre ici, là, plutôt là. On est bien là. Du coup, on voit un peu les options. Non, on va faire rétablir les trucs par défaut. On va continuer. Fidélité ou performance? Fidélité, haute résolution sur la qualité graphique. Performance, c'est les modes fréquence d'image. On va rester en performance, oui. Non, on va mettre sur la qualité graphique parce qu'on est mettre sur la fidélité, ça on accepte les contrats comme prévu. Alors, oui, j'ai réclamé tout ça, oui, Gryffondor, oui. Récupérer le balai, récupérer des trucs, encore des trucs. Oui, plein de choses, j'ai récupéré. Plein de chapeaux, plein d'accessoires. Oui, je sais, il y a une tonne de récompenses. Alors, on va lancer le jeu. Ouais, va laisser par défaut, oui, voilà. Quelques toiles d'araignée et de la poussière. Pas de quoi s'inquiéter. C'était captivant. Je crois que ce cours va beaucoup me plaire. De voix de femme sur un mec. Alors ça, c'est plutôt étrange. C'est pour troller, évidemment. Oh là là. C'était assez incroyable. Ouais, la difficulté, je la laisse en normal. Hein. Vous devez nommer votre personnage. Dragon Sky, voilà. Je suis dragon du ciel. Suis sorcier. J'ai hâte d'aller à Préolard. Quelques toiles d'araignée et de la poussière. Pas de quoi s'inquiéter. C'était assez incroyable. J'ai hâte d'aller à Préolard. Quelques toiles d'araignée et de la poussière. Pas de quoi s'inquiéter. Je suis encore à l'école, mais je pourrais probablement vous aider. Commence notre voyage. Alors. Je crois que nous sommes presque prêts à partir. Quel dommage que nous n'ayons pas eu plus de temps pour travailler les sortilèges. Je présume que vous avez pratiqué ceux qu'on a étudiés. En effet, professeur. Bien. J'avoue que je n'avais jamais vu quelqu'un s'habituer aussi vite à une baguette d'occasion. Plus rien ne vous arrêtera quand vous aurez la vôtre. Merci, professeur Fig. C'était vraiment gentil de travailler avec moi avant la rentrée. Oh Éléazar! Georges, je suis ravi que ma description sibylline ne t'ait pas empêché de nous trouver. J'ai transplané sur la base de descriptions bien plus vagues.
Mais je dois dire que j'ai commis une petite erreur de calcul lors de mon premier essai. J'ai causé un peu d'agitation devant un théâtre du West End. Cela fait si longtemps. Quand j'ai reçu ton hibou, j'avoue que... Non, n'en parlons pas ici, Éléazar. Bien sûr. Mais nous discuterons sur le chemin de Poudlard. Un festin et une cérémonie de leur répartition nous attendent. Excellente idée. Tant que ma présence ne dérange pas notre jeune camarade. Pas du tout, monsieur. Allons-y. Je ne suis pas venu au château depuis longtemps. Je serais ravi de revoir ce vieux navire. C'est confirmé que le développement de Hogwarts Legacy 2, c'est confirmé qu'il y a pour un deuxième. Parce que suite au succès du premier, il y aura un deuxième qui est en cours de développement. Moi j'irai pour une sortie horizon fin 2025, début 2026. Mais c'était juste. Ce que je pense, hein, à peu près. Hein, parce qu'il faut à peu près. Une nouvelle recrue. Minimum un an et demi, deux ans pour développer. Oui, monsieur. J'arrive à Poudlard en tant que cinquième année. Extraordinaire. Oui, en effet. Aucun professeur n'avait jamais entendu parler d'un élève entrant à Poudlard aussi tard. Et moi non plus. Bien sûr. Étant donné que les cinquième années sont censées avoir travaillé leur magie pendant déjà 4 ans, le directeur m'a demandé de lui faire rattraper un peu de son retard avant le début des cours. Eh bien, vous n'auriez pas pu rêver meilleur mentor. Le professeur Fig n'est pas seulement un enseignant exceptionnel, c'est aussi un sorcier très intuitif et drôlement talentueux. Monsieur Osric s'y connaît en flatterie. Je dirais même que c'est surtout à cela qu'il doit sa position au ministère. Aurais-tu vu cela? Ah oui. Chacun a une idée différente du danger que représente vraiment Ranrok. Bien que mes collègues du ministère refusent de me croire, je pense qu'il est une menace un peu plus... sérieuse. Et c'est ta femme, Éléazar, qui m'a signalé ses activités il y a quelques mois. Myriam, comment ? Elle m'a écrit au sujet de Ranrok avant sa mort. Elle se demandait ce que le ministère savait à son sujet. Avant que je ne puisse répondre, j'ai reçu ceci. C'est la dernière chose qu'elle m'ait envoyée, Éléazar. Son hibou me l'a apporté. Mais il n'y avait aucun message. Je ne peux que supposer... Elle a dû vite s'en débarrasser pour le mettre à l'abri. Sans doute à cause de Ranrok. Je ne peux pas l'ouvrir. La magie qui protège cet objet est particulièrement puissante. On dirait du métal de gobelin. Ce symbole. Quelle est cette lueur ? Je ne vois pas de lueur. Moi non plus. Par la barbe de Merlin ? Comment avez-vous... Attendez ! Nous... Non, vilain dragon, fallait pas manger à la caravane. Non. Oh la vache. La clé. Donnez-moi la main. Action.
Comment ça va? Pas bien, on dirait. Non, pas vraiment. Prenez ça. Une potion Wiggenweld. Ça vous remettra sur pied en un rien de temps. Que s'est-il passé? Pauvre George. Je ne peux pas croire qu'il... Qu'est-ce qui a pris à cette satanée bestiole? Attaquer une diligence en plein vol? Un dragon normal n'aurait jamais fait ça. Professeur? Monsieur, où sommes-nous? Je l'ignore. Mais la clé que vous avez découverte est un porte au loin. Un porte au loin? Un objet ensorcelé qui amène ceux qui le touchent à un endroit précis. Je me sens bien mieux, monsieur. Explorons les alentours. Très bien. Mais suivez-moi. Nous ignorons qui a créé ce porte au loin. Et pourquoi? Qu'a-t-il emmené ? Plus loin de Londres que notre destination initiale. Nous nous trouvons dans les Highlands d'Écosse. Monsieur, ces ruines, vous pensez que... Le porte au loin devait nous emmener ici ? Bien sûr. Cette journée ne se déroule pas du tout comme nous l'avions prévu. Mais Myriam n'a pas laissé ce porte au loin à George sans raison. Et je crois fermement qu'elle, ainsi que George, ont tous deux trouvé la mort précisément pour cette même raison. Si vous n'avez rien de cassé et que vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'aimerais jeter un coup d'œil dans le coin. Aucun problème, monsieur. Non. Voyons si nous arrivons à trouver un chemin. Pas évident au milieu de tout ça. Faites attention. Où pensez-vous que votre femme a eu le porte au loin qui nous a menés ici? Bonne question. Myriam a passé des années à retrouver la trace d'une forme de magie extrêmement ancienne. De la magie ancienne? Oui, une puissante magie maniée par de rares individus qui semblent s'être perdus avec le temps. Le château de Poudlard est issu et, pour ainsi dire, constitué de cette magie ancestrale. Je ne sais pas comment elle a réussi à mettre la main sur le porte au loin. Mais je suis certain qu'il est lié à ses recherches. Ah, voilà, j'ai retrouvé le chemin. Venez. Mais monsieur, pourquoi votre femme cherchait-elle des traces de cette magie oubliée? Myriam voulait comprendre pourquoi une magie si puissante avait soudain disparu du monde des sorciers. Elle aurait pu faire tant de bien. Mais la magie est semblable à tout autre pouvoir. Ce qui importe vraiment, c'est la personne qui la manie. Est-ce que c'est de la glace? Elle fondrait si c'était le cas. On dirait plutôt une sorte d'enchantement. Quelqu'un a voulu bloquer ce chemin. Voyons si vous avez fait des progrès avec votre baguette. Frappez vers le centre. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi raide. Le maniement de baguette s'améliore à vue d'œil. Merci, monsieur. Here we go.
Nous y sommes presque. C'est un peu plus loin. Accrochez-vous bien. Nous y sommes presque. Qui a bien pu construire tout ça ici? Apparemment, quelqu'un qui ne voulait pas être dérangé. Ce porte loin nous a amené ici pour de bonnes raisons. Regardons si nous pouvons trouver quelque chose d'intéressant. Professeur, cette statue... Il devait sans doute vivre ici. C'est encore cette pierre cristallisée enchantée. Qu'est-ce qu'elle peut bien bloquer, enfin? C'est quoi, ça? Professeur Fig! Comme c'est étrange. Pourquoi quelqu'un a-t-il invoqué cette pierre enchantée ici? Et pourquoi y a-t-il une pièce derrière? Quelle pièce? Je ne vois rien de plus. Revoilà cette lueur, comme sur le réceptacle du porte-loin. Ça alors, par Merlin! Par Godric! Où sommes-nous? Je ne peux y croire. Y a quelqu'un? C'est impossible. Un petit instant. Voyons voir ça. Bienvenue à Gringotts, la banque des sorciers. Le coffre numéro 12, je présume. Précisément. La clé ? Le porte-loin de votre femme? Oh, oui, bien sûr. Par ici, suivez-moi. Le porte-loin. J'ai été donné, c'est la clé. Clé du coffre. Hein. Après vous. Gardez les mains à l'intérieur du wagon, si vous ne voulez pas les perdre.
Combien y a-t-il de coffres à Gringotts? Des centaines. D'ailleurs, vous en verrez quelques-uns sur le chemin du coffre 12. Actuellement, nous sommes juste en dessous du hall d'entrée. Les coffres que vous voyez sont les plus récents. Est-ce qu'il existe beaucoup d'entrées privées de ce genre à Gringotts? Elles sont très rares. Seules les personnes les plus riches ou les plus puissantes, ou les deux, peuvent s'offrir ce genre de service. Prenez une grande inspiration. Pardon ? La cascade des voleurs. Cette cascade permet de dissiper tous les enchantements. Simple mesure de sécurité. La cascade des voleurs vous est déjà familière. On en avait parlé. Et nous voici actuellement devant les coffres infernaux. Jusqu'où allons-nous comme ça ? Le coffre numéro 12 a été mis en service peu après l'ouverture de Gringotts il y a plus de 4 siècles. Il se trouve au plus profond de la banque. Installez-vous, nous avons du chemin à parcourir. Numéro du coffre. Coffre 12. Et quelle journée. Bon, allez-y. Réceptacle du porte-loin, vous voulez dire? Non, plus sombre. J'ai vu la même lueur sur le collier du dragon. Je vous demande pardon? Nous nous posions des questions sur ce gobelin. Il s'occupe de la partie la plus ancienne de la banque. Très peu de gens s'y rendent de nos jours. Nous y sommes. Quand a-t-on ouvert ce coffre pour la dernière fois? Cela fait plusieurs centaines d'années qu'un gobelin est affecté à mon bureau. Et toutes ces années, personne n'a jamais demandé le coffre 12. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Le coffre 12. Merci pour votre aide. Devons-nous chercher ici, à votre avis? Je ne sais pas. Dites-moi, est-ce que vous pourriez... Les instructions pour le coffre 12 précisent que je dois ouvrir la porte au seul détenteur de la clé, puis la refermer derrière lui. Mais... Professeur? Je ne m'attendais certainement pas à cela. Réfléchissons. Il doit bien y avoir une issue quelque part. Révélio, peut-être. Révélio? Oui, le sortilège de révélation. C'est l'occasion de l'apprendre. Voyons un peu ce qui nous échappe, d'accord? Levez votre baguette et concentrez-vous. Voilà, Révélio. Révélio. Là, j'ai vu quelque chose. Approchez-vous un peu et réessayez. Une porte. Ah, c'est un début. Et encore ce symbole. J'imagine que vous ne voyez pas de... Si, professeur. Ce symbole brille de la même lueur que celle du réceptacle du porte-loin. Si le symbole que vous voyez révèle la voie à suivre, je pense que nous sommes sur le point de découvrir le secret de ce coffre. Je vous en prie. Ah, il fait tout noir. Lumos ! Ce n'est pas un coffre ordinaire. J'imagine qu'il va falloir faire nos preuves pour sortir. Faire nos preuves ? Qu'entendez-vous par là ? Vous pensez que c'est une sorte d'épreuve ?
En effet. Bien que j'ignore sa raison d'être. Restez près de moi. Nous ne pourrons pas transplaner s'il nous arrive quelque chose. Pas depuis Gringotts. Je vois quelque chose au loin. Qu'est-ce que c'est ? Toujours cette lueur, mais par terre. Dumos ! Que s'est-il passé ? Lorsque j'ai atteint cette lueur, c'est comme si le sol s'était mis à tourbillonner tout d'un coup. Est-ce que vous allez bien ? Oui, monsieur, je vais bien. Le sol n'est plus le même depuis votre intervention. Cette statue... Quelle statue ? Je vois une sorte de statue, mais ce n'est qu'un reflet sur le sol. Revelio ! J'imagine que c'est ce que vous avez vu dans ce reflet au sol. En effet, le reflet est toujours là, mais la position des statues est inversée. Hé ! Quand vous avez bougé, vous avez attiré le reflet en direction de la lumière. Vous devriez peut-être lancer Lumos. Lumos, bravo! Et maintenant, le reflet se tourne vers moi. Oui, il suit bien la lumière. Ah. Attention ! Protego ! Action ! Détachement ! Levioso ! Faites plus ! Professeur ? Professeur Fig ? Professeur, où êtes-vous ? Je n'aime pas ça. Lumos. Je ne vois pas où je dois aller. Qu'est-ce qui se passe ? Ces traces de magie semblent vouloir me guider quelque part. Ah, c'est donc là qu'il m'emmène. Toujours cette lueur. Lumos.
Revelio. Je vais devoir me débrouiller cette fois. Je n'ai pas le choix. Je vais devoir me battre pour sortir d'ici. Je dois aligner toutes ces statues avec leurs reflets. Protego! Ah, de la pancine. Oh, vous voilà. Comment avez-vous? Mais où sommes-nous? Je ne sais pas. Mais j'ai trouvé ça, flottant au-dessus de ce bassin. Ce n'est pas un simple bassin. C'est une pancine pour voir les souvenirs. Voyons si... Imitez-moi.
Tout est en place. Le porte-loin est caché? Peut-être trop bien. Je me demande si le chemin que nous avons créé... n'est pas impossible à suivre? Ce sera le cas seulement pour ceux qui ne voient pas les traces de magie ancienne comme moi. Votre capacité à voir ce qui est caché aux autres ne suffira pas, Percival. Nous allons confier à la personne qui emprunte cette voie des secrets d'une grande puissance qui vont sûrement attirer bien des convoitises. Oui, et si vous ne vous trompez pas, Charles, le sorcier ou la sorcière qui réussira les épreuves se montrera digne de ce savoir et de la responsabilité qui l'accompagne. Nous avons fait au mieux. Est-ce cela que vous voyez? La lueur, celle qui les entourait? Oui, monsieur. C'est fascinant. Est-ce bien de la magie? Des traces d'une magie ancienne, pour être précis. La même magie dont Myriam voulait prouver l'existence. Mais sans succès. Myriam, et peut-être Georges, sont morts en recherchant un savoir qui sommeillait depuis des siècles. Et vous, eh bien... peut-être allez-vous nous apprendre pourquoi nous devrions... Il m'a l'air bien différent il y a encore quelques instants. Quelqu'un approche. Qui donc? Je ne sais pas. Mais, monsieur, vous ne devriez pas être ici. J'avais raison. Ranrok. On dirait que ma réputation me précède. Je commençais à penser que personne n'irait dans le coffre de Percival Rackham. Que faites-vous ici? Allons, allons. Donnez-moi simplement ce que vous avez trouvé, et nous pourrons faire table rase du passé. Monsieur, ils avaient la clé du coffre. Pesez bien vos prochaines paroles. Je voulais simplement dire que les instructions pour le coffre 12 étaient plutôt claires. Monsieur, je me dois d'insister. Je ne peux autoriser l'accès qu'aux personnes ayant la clé, et vous n'aviez pas... Je n'ai aucune patience pour les traîtres. Bon. Où en étions-nous? Je ne vous donnerai rien du tout. Eh bien, ce jeune camarade me sera peut-être plus utile. Vous allez bien? Ça va. Je n'ai jamais vu de gobelin aussi fort. Il semblait totalement immunisé contre la magie. Mais où sommes-nous? Ah, c'est impossible. Il semble que ceux qui ont mis en place la pancine, le médaillon et le chemin émenant voulaient que quelqu'un ayant votre don arrive jusqu'ici. Venez, la cérémonie de la répartition attend.
Oh, bien. Nous n'avons pas manqué la cérémonie. Si je puis me permettre, ceci me semble plus approprié. Bon, je vais devoir examiner ce médaillon au plus vite, mais il faut d'abord contacter le ministère. Je dois leur dire pour Georges et les avertir pour Ranrok. Pour le moment, je voudrais que tout ce qui s'est passé ce soir reste entre vous et moi. Bien sûr, monsieur. Merci. Allons à cette cérémonie. Phineas Nigellus Black. Préparez-vous à rencontrer le directeur. Fig, merci de vous joindre à nous. La cérémonie de la répartition est terminée. Il y a eu des complications. Comment ça, des complications? Il semble que le problème des gobelins soit... Je n'ai pas le temps pour vos histoires de gobelins, Fig. Et le peu de patience qu'il me reste s'épuise très rapidement. Si vous avez de la chance, nous pourrons peut-être vous répartir ce soir, malgré tout. Nous nous reverrons. Professeur Weasley, il nous reste quelqu'un à répartir. Bienvenue. Vous arrivez juste à temps. Asseyez-vous. Le chapeau magique va parler. Ah oui, vous avez quelques années de plus que les autres, non? Vous aviez certaines attentes en venant ici, des préférences et des préjugés. J'ai hâte de rencontrer mes professeurs et d'apprendre tout ce que je peux à Poudlard. En effet, Poudlard a beaucoup à offrir aux élèves appliqués. Ce que vous apprendrez en cours vous permettra de relever les nombreux défis du monde extérieur. Oh, vous avez du courage, hein? Vous êtes téméraire. L'inconnu ne vous effraie pas. Vous n'hésitez pas à poursuivre votre chemin seul s'il le faut. Vous seriez peut-être à l'aise à Gryffondor. On peut choisir aussi une autre maison. Pas d'hésitation, Gryffondor! Encore une chose. En raison d'une blessure fâcheuse subie lors de la finale de l'an dernier, la saison de Quidditch de cette année est annulée. Silence ! Je n'ai pas interdit totalement le vol sur balai. Alors, ne me tentez pas. Vous êtes ici pour vous concentrer sur vos études. Je suis sûr que vous avez beaucoup à faire avant le début des cours demain. J'ai dit, je suis sûr que vous avez beaucoup à faire avant le début des cours demain! Une arrivée en fanfare. Ravi de vous rencontrer. Je suis... Professeur Weasley, pourriez-vous accompagner notre nouvelle recrue à sa salle commune? Je m'en occupe, monsieur. Comme je le disais, je suis le professeur Weasley. Ravi de vous connaître. Je le suis également, professeur.
En tant que directrice adjointe, j'ai l'honneur d'être chargée de vous emmener à votre salle commune. Suivez-moi. Il est très inhabituel d'entrer à Poudlard en cinquième année. Cela s'annonce passionnant. Oui, j'ai vraiment hâte. Je me souviens de mon arrivée dans la salle commune de Gryffondor après ma répartition. Vous étiez Gryffondor ? Je suis Gryffondor. Néanmoins, je n'arrivais jamais à me souvenir du mot de passe à l'époque. Mot de passe ? Mot de passe ? Le mot de passe est Grata Domum. Grata Domum. Vous pouvez passer. Bravo. Bien, entrez et allez vous reposer. Une journée bien chargée vous attend demain. Je passerai vous prendre dans la matinée pour votre tout premier cours. Merci, professeur Weasley. Je vous en prie. J'espère que vous passerez une bonne première nuit. Dormez bien. Tout le monde est déjà parti? Je ferais bien de rejoindre la salle commune. Bon, où est la salle commune déjà ? Ça doit être étrange de commencer en cinquième année à Poudlard. C'est l'élève de cinquième année qui vient d'arriver. Une chance que notre camarade n'ait pas fini en pâté pour dragon. Cette fille pense elle est faire tout ce qu'elle veut d'année en année. Un professeur pourrait arriver. Croisez le regard du professeur. Attends, Black, ce n'est pas ça. Moi qui pensais vraiment avoir compris. Je ne comprends pas ce que je fais de mal. Ce n'est pas un sort compliqué. Je devrais pouvoir le lancer sans utiliser ma voix. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Ah, bonjour. Bienvenue à Gryffondor. Je suis Cressida. Ravie de faire ta connaissance, Cressida. Tu as fait une entrée spectaculaire à la cérémonie de la répartition hier soir. Tu es arrivée juste à temps. C'est vrai que tu es le protégé du professeur Fig ? Non, j'ai seulement étudié un peu avec lui avant notre arrivée. Zut ! J'espérais qu'il t'avait donné des conseils sur les sortilèges informulés. C'est ce que tu essayais de faire tout à l'heure ? Oui, j'ai un souci. J'ai maîtrisé le sortilège à l'aide de son incantation, mais c'est un peu plus compliqué. Je trouve que tes mouvements manquent de fluidité. Mes mouvements sont très bien, merci. Je peux lancer des sortilèges plus compliqués que ça sans parler. Je vais continuer à travailler. Eh bien, bonne chance. C'était un plaisir de te rencontrer, Cressida. Moi aussi. Profite bien de ton premier jour. C'est une bonne chose que le professeur Weasley prenne une... Pour qui elle se prend cette Nelly ? Nelly ferait n'importe quoi pour vivre des sensations fortes. Un professeur pourrait arriver. J'espère qu'un professeur Dommage la pensera. Dommage que tu n'es pas d'elle, Nelly. Descends, je suis sûre plaît. Qu'elle te servirait. Un professeur pourrait arriver.
tout le monde est si tendu. Il n'y a aucun danger. Oh, bonjour. Ne fais pas attention à moi. J'aime changer de point de vue de temps en temps, pour mettre les choses en perspective. Une fois, j'ai escaladé la tour de Gryffondor, depuis l'extérieur, sans balai. Incroyable. Je m'appelle Nelly, au fait. Nelly Oxpire. J'ai entendu des rumeurs sur ce qui t'est arrivé sur le chemin de Poudlard. C'est vrai, pour le dragon ? C'est vrai. Mais je... Nous en sommes bien sortis. Apparemment, tu as déjà la réputation d'être téméraire, on dirait. En tout cas, t'as apporté un peu d'animation à Gryffondor et à Poudlard. On en avait bien besoin. Je pense qu'on se recroisera. Soit dans la salle commune, soit quand tu escaladeras ta prochaine tour. On sait jamais. Au revoir alors. J'aimerais vraiment que quelqu'un y goûte. Tu ne veux pas goûter ? C'est moi qui l'ai faite. Bonjour. Tu es l'élève de 5e année qui vient d'arriver ? Enchanté, je suis Gareth Weasley. J'ai entendu parler de ton arrivée ici. Incroyable ! Je suis content que vous alliez bien, Fig et toi. C'est vrai qu'il y avait quelqu'un du ministère avec vous dans la diligence ? Oui. Une connaissance du professeur Fig. Oh, je ne voulais pas être indiscret. Sale affaire, les dragons. Je suis soulagé que tu ailles bien. Merci bien, Gareth. Moi aussi. Tu es de la même famille que le professeur Weasley ? Ouais, c'est ma tante. Tu peux faire tout ce que tu veux, non ? C'est plutôt l'inverse, en réalité. Tante Mathilda a tendance à me traiter comme si j'étais en première année. Elle me surveille de très près et c'est un peu étouffant. Mais je sais qu'elle veut bien faire. Et c'est une sorcière très puissante. On peut toujours compter sur elle. C'était un plaisir, Gareth. Et merci de m'en avoir dit un peu plus sur ta tante. Plaisir partagé. Bonne chance pour aujourd'hui. Hé, le nouveau ! Le professeur Weasley t'attend à l'entrée de la salle commune. Bonjour ! Alors, tout s'annonce au mieux pour votre première journée ? Je rêve de cette journée depuis longtemps. J'en reviens pas d'être ici. Eh bien, vous y êtes. Profitez-en au maximum. On n'a qu'une seule première journée à Poudlard. Bon, étant donné que vous nous rejoignez directement en 5e année, vous allez devoir rattraper votre retard. D'autant plus qu'il vous faudra réussir vos épreuves de buse à la fin de l'année. B-U-S-E ? Le brevet universel de sorcellerie élémentaire. Il déterminera quel type de carrière s'ouvrira à vous après l'école. Après en avoir longuement discuté avec le directeur et le département de l'éducation magique du ministère, nous avons pris des mesures exceptionnelles pour assurer votre réussite. Tenez, voilà. Ceci est un guide du sorcier. Il vous permet de consigner ce que vous apprenez afin que vous puissiez maîtriser tout ce qui est demandé en 5e année. Je vous conseille de tirer parti au maximum de cet outil exceptionnel et très utile. Merci, professeur. Mais que voulez-vous dire par suivre ma progression ? Peut-être qu'une démonstration répondra à vos questions. Suivez-moi. Nous allons vous tester. Par ici. Le guide vous proposera des opportunités de pratiquer votre magie et de vous éduquer sur le monde des sorciers. J'aurais aimé avoir la chance de posséder quelque chose d'aussi utile que le guide du sorcier quand j'étais élève. Utiliser le guide vous encouragera aussi à prêter attention à ce qui vous entoure. Ne traînez pas. Ah, le guide semble avoir des informations pour vous quant à ce portrait du pauvre Baruffio. Lancez simplement Revelio dessus et nous verrons ce que nous dit le guide. Revelio.
pas mal, n'est-ce pas? Cherchez d'autres opportunités comme celle-ci, à l'intérieur du château comme à l'extérieur. Pas de temps à perdre. On vous attend en classe. Ah, juste à temps. C'est l'occasion de vous apprendre à utiliser les flammes de cheminette pour vous déplacer rapidement. Votre guide du sorcier contient une carte du château. Ouvrez-le et cherchez le hall central. Cela nous a fait gagner beaucoup de temps. Cet escalier mène directement dans le hall central. Depuis le hall central, il est possible de se rendre très rapidement partout dans le château. Il se passe toujours quelque chose ici. C'est le cœur du château, notre garde King's Cross à nous, en quelque sorte. Bien, ce sera tout pour l'instant. Vous allez devoir assister aux cours de sortilège et de défense contre les forces du mal, aujourd'hui. Et ne tardez pas à vous rendre à Préolard pour remplacer les affaires que vous avez perdues en chemin. Je vous remercie, professeur Weasley. C'est beaucoup pour un premier jour, et vous avez tant à apprendre. Par chance, vos professeurs ont accepté de vous confier des devoirs supplémentaires après les cours. Vous rattraperez vite votre retard. Si je me fie à votre habilité à lancer Revelio, je dirais que le professeur Fig a eu l'occasion de vous montrer les bases. En effet, professeur. Il s'est montré assez vague quant aux événements qui ont précédé votre arrivée, en particulier cette terrible attaque de dragon. Je doute qu'il s'agisse simplement d'une histoire d'affaires égarées et de détours pour arriver au château. Nous avons fait un détour en venant ici. Nous avons exploré des ruines et... je ne peux pas en dire plus. Des ruines, vous dites? Bon, j'imagine que le professeur Fig a de bonnes raisons de garder cela pour lui. Quand on parle du loup... Professeur Fig, vous devez avoir les oreilles qui sifflent. Ah? Oui. Vous semblez avoir donné à notre nouvelle recrue de cinquième année des bases solides en matière de sortilège. Tout le mérite ne me revient pas, professeur. Je n'ai fait qu'aiguiser un talent certain pour la magie. Quoi qu'il en soit, je suis ravie que vous soyez arrivé entier. Des bateaux et des diligences desservent Poudlard, mais vous, vous choisissez de voler sous le nez d'un dragon. Je ne dirais pas que j'ai choisi le dragon, professeur. Malheureusement, c'est plutôt lui qui nous a choisis. Bien. Assez bavardé. Je dois rejoindre ma classe. Puis-je compter sur vous, professeur Fig, pour fournir des explications détaillées sur la carte du guide du sorcier? Bien sûr. Merci. Je vous souhaite bonne chance. Et n'oubliez pas de vous servir du guide du sorcier. Il vous sera d'une aide inestimable. Ainsi qu'à moi. Puisque je m'en servirai pour suivre votre progression. Oui, professeur. Venez me retrouver dans ma salle de classe après avoir assisté à vos deux cours. Je vous en dirai plus sur les devoirs que j'ai mentionnés. Et nous verrons si nous pouvons aller à Préolard faire quelques emplettes. Quel plaisir de vous voir, professeur. De même. J'avais bon espoir de vous croiser avant que vous ne replongiez dans vos études. Vous ai-je entendu parler d'explorer des ruines avec le professeur Weasley? Oui, monsieur. Mais je ne lui ai rien dit d'autre sur notre périple. Mais je pense qu'elle soupçonne que nous ne lui disons pas toute la vérité. Sans doute. C'est une sorcière brillante et surtout très perspicace.
Vous avez bien fait de ne pas tout lui dire. Nous ne savons pas encore ce qui nous attend au bout du chemin. Elle risquerait de ne pas approuver que vous deviez vous absenter de temps à autre. Et elle pourrait se sentir obligée de donner au directeur des détails que nous préférerions taire. Compris, professeur. Bien. Bon, aussi capable que vous l'êtes, je pense que le don que vous possédez nécessite un entraînement rigoureux. Heureusement, vous avez eu la chance de pouvoir suivre les enseignements de sorciers et sorcières de talent. À ce sujet, et pour m'éviter un énième reproche à peine dissimulé du professeur Weasley, avez-vous remarqué que la carte de votre guide du sorcier était enchantée? Dépliez-la que je vous montre. La carte est enchantée de façon à vous aider à trouver votre chemin. Cela me sera très utile. Merci. Bon, je crois qu'une journée chargée vous attend, entre les cours et vos achats de fournitures après Olar, notamment votre baguette. Monsieur Ollivander va vous plaire. C'est un artisan hors pair et un ami fidèle. Je vous contacterai lorsque j'aurai plus d'informations au sujet de notre mystérieux médaillon. D'ici là, concentrez-vous sur vos cours et écoutez bien. Ce que vous apprendrez entre ces murs ne vous servira pas que pour votre buse. Là, derrière toi, il y a une place libre si tu veux. Merci. Bonjour, je m'appelle Nati. C'est donc toi le nouvel élève? Tu as déjà rencontré le professeur Ronald? Est-ce que vous êtes prêts? Bienvenue en cinquième année. Bon, il s'agit d'une année charnière dans votre apprentissage de l'art des sortilèges. Mais je suis persuadé que nous la mènerons avec la passion et la rigueur nécessaires pour relever le défi. Bien, tout le monde, ouvrez vos livres à la page 517. Mais avant de commencer, quelqu'un saurait-il me dire la différence entre les incantations des sortilèges de changement de couleur et de croissance? Quelqu'un? Non, personne? J'ai bien peur qu'il soit trop tard pour réviser maintenant. Les mois d'été ont laissé des traces à ce que je vois. On dirait presque que vous avez passé les vacances à vous exercer, à vous lancer oubliette. Vous devriez vous rappeler comment lancer un sortilège d'attraction.
il semble que vous ayez grandement besoin de réviser. Trouvez un partenaire et prenez position de part et d'autre de la pièce. Puisque vous ne leur avez apparemment pas trouvé d'autre utilité, vous allez vous servir de ces livres et essayer de les attirer vers vous à tour de rôle. Chaque groupe n'aura besoin que d'un seul livre, Miss Dale. Merci. Allez à votre place. Action. Pas mal du tout. C'est bien, vous apprenez vite. Vous avez du potentiel, mais n'oubliez pas, le potentiel n'est rien sans pratique. Pratiquez, et vous pourriez rivaliser avec Miss Onaille. Vous avez bien travaillé, c'est terminé. Bien, vous semblez tous maîtriser les bases, et il fait particulièrement beau aujourd'hui. Je vous propose donc une petite excursion pour prendre une bonne bouffée d'air frais. Suivez-moi. Ah. J'ai toujours pensé que le plaisir venait avec la maîtrise. Et je suis sûr que les joueurs de Quidditch ici présents acquiesceront. Hein? Donc, rien de mieux qu'un petit peu de sport pour mettre à l'épreuve votre maîtrise du sortilège d'attraction. N'est-ce pas? Et si nous laissons notre nouvelle recrue commencer? Tout simplement, lancez Axio sur l'une des sphères, puis révoquez le sortilège au tout dernier moment. Bien. Voyez cela comme des bave-boules, par exemple, mais au lieu de les lancer, Axio, vous essayez de les faire venir à vous. Superbe! Ne vous déconcentrez pas. Très bien. Voilà. Très bien. Des points pour Gryffondor. Mais rien de tel qu'un petit affrontement amical pour pimenter les choses. Miss Onaille, voulez-vous bien défier votre camarade? Montez. Vous aurez les bleus comme tout à l'heure, Mademoiselle Onaille, vous serez rouge, compris? Compris. Concentre-toi. Superbe. Regarde bien. Voilà comment on fait. Un score parfait, c'est remarquable. 150. Match nul, voilà. On va rendre les choses plus intéressantes, d'accord? Je crois qu'on a déjà dépassé ce stade. De fait. Assez discuté. Concentrez-vous maintenant, vous en aurez besoin.
Cette manche sera décisive. Voyons. Te laisser l'emporter. Action. Regarde. J'ai fait exprès. C'était volontaire. Perdu. Gardez votre calme. Concentre-toi. Oui. Action. Excellent contrôle. Voilà. Elle a gagné. Perdu, il faut que je recommence. Bravo à vous deux. Beau travail. Est-ce que ça compte dans la mission ou pas? J'en sais pas. J'en sais rien, puis je m'en fiche. Le cours est terminé. N'oubliez pas vos affaires en sortant. Tu n'as pas démérité et tu as bien pris la défaite. Je ne voulais pas te laisser gagner. J'ai mis des semaines à vraiment maîtriser Axio. J'ai mis des semaines à réussir quoi que ce soit à mon arrivée. Ça me rassure. Ça fait beaucoup de choses à intégrer d'un coup. C'est peu. J'étudiais à Ouagadou avant d'arriver ici en Catherine. Ma mère a eu l'eau. Ça a été un plaisir. Voilà, on s'en fiche maintenant, parce qu'on va pas laisser les textes. Bien sûr, il est possible d'utiliser Axio sur les... Je peux vous parler un instant ? Vous vouliez... Bonjour, c'est bien toi qui viens d'arriver? Quoi, c'est tout? Levioso! Professeur Ikat! Soyez gentils d'attendre la sortie avant de vous réduire mutuellement en miettes. J'ai de nouveaux élèves chaque année, mais je ne possède qu'un seul crâne de noir des hébrides. C'est un souvenir de l'assaut anti-braconnage de 1878. Vous avez dû en entendre parler. Bref, vous vous demandez peut-être ce qui a permis à une vieille dame comme moi de défier la plus grande bande de braconniers de l'est du pays de Galles, et de tous les vaincre jusqu'au dernier. Le savoir. La sagesse ne dépend pas du nombre d'années. Aujourd'hui, nous allons revoir un sort qui m'a sauvé la vie plus de fois que je ne saurais m'en souvenir, même face aux mages noirs les plus terribles, Levioso. Levioso ? Un sortilège de lévitation ? Levioso ! Un adversaire surpris est affaibli. Pouvez-vous vous défendre, monsieur Prouette ? Eh bien non. Une chose que j'ai apprise en tant que langue de plomb, c'est bien la valeur de la simplicité.
en particulier en situation de combat. Bien, travaillons ce que nous venons d'apprendre, en commençant par les bases. Les vieux sauts. Les vieux sauts. Bien, essayons quelque chose de plus compliqué. Commençons par le lancer de base. Vous voyez comment le mannequin a dévié votre sort ? Cette fois, lancez d'abord Levioso, puis enchaînez avec le lancer de base. N'oubliez pas. Bien. Bravo. C'est très bien. Mais le meilleur moyen de s'entraîner reste le duel. Commençons avec vous deux. Duelliste à vos marques. Je vais t'accueillir à Poudlard comme il se doit. Bien, vous allez vous battre loyalement en utilisant Levioso, le lancer de base, et Protego. Vous pouvez y aller. Ça devrait être. Levioso, Protego. Chance. La chance n'a rien à voir là-dedans. Les cursos. Un Levioso parfaitement exécuté. Je crois que ce soit ton premier duel. C'est juste que j'apprends vite. Pas mal pour quelqu'un qui débute. Tu rends coup sur coup. Je vous ai placé dans une position difficile et vous avez été à la hauteur. Des points pour Gryffondor. Merci, professeur Hecat. Heureux d'avoir pu m'exercer. Si j'en juge par ce que vous m'avez montré aujourd'hui, j'attends de mes... Très bien. Le spectacle est fini pour aujourd'hui. Le cours est terminé. Beau travail. Ça m'a bien. C'était loin. Exclu. À la prochaine. Heureux que tu aies pu venir. Lucan est juste là. Je peux t'aider ? Sébastien m'a dit de venir. Tu vas me faire... Bien sûr.
Fais-moi. Tu vas regretter d'avoir relevé le défi. Comprends, Leviosa. Lumos, Protego, mon pari. Comprends. Explosion. Les vieux sont. Protego. Lumos. Les vieux sont. Contre lui, Protego. Bravo. J'espère te revoir ici bientôt. Action. Les vieux sont. Et pour la salle, professeur? Je me disais la même chose, Chick. Tu pourrais peut-être l'aider. Oh, excusez, Chick. Ah, vous voilà. Vos premiers cours se sont-ils bien? Oui. Vous et le... Le prof. J'ai hâte de... J'aime. Ah, vous voilà. Vous avez un nouveau... Je vais commencer tout... Revelio.
le bon endroit. Je me demande si... Et voilà. Il doit y avoir une page volante dans les parages. Action. Fantastique. J'imagine que ces premières tâches... J'ai terminé. Souvenez-vous, votre baguette canalise votre magie. Et par où c'est fait? C'est ça, très bien. Si vous voulez vous entraîner à réparer quelque chose, faites un essai avec cette statue cassée dans l'alcôve près de l'eau. Elle est censée symboliser un cœur brisé. Peut-être qu'un amoureux éconduit l'a trouvé trop réaliste et s'est emporté. Réparons. Leviosa. Rébellion. Qu'est-ce qui m'échappe? Salut, tu me cherchais? Nati, j'espère. Je suis contente que le professeur Weasley m'ait demandé de t'accompagner. Vraiment? Oui. J'avais déjà prévu de t'inviter à venir avec moi. Je me suis dit que tu aimerais siroter une bière au beurre. Le hibou du professeur Weasley est arrivé à point nommé. Tu ne peux pas savoir à quel point c'est agréable de respirer de l'air frais après un long cours sur les runes anciennes. Je n'aurais jamais dû choisir cette option, tu peux me croire. Je te crois. Bien que je suppose qu'on ne puisse pas vraiment appeler ça choisir quand ta mère t'a forcé à l'apprendre. Réolard est magnifique à cette période de l'année. Tout le monde te dira d'y aller à Noël, mais c'est l'un des rares moments de l'année où je préfère rester à l'intérieur. T'aimes pas le froid, c'est ça? Oh, le froid ne me dérange pas tant que ça. Enfin, plus maintenant. Il n'y avait pas de neige là où j'ai grandi. Oh, attends, par ici. Je trouve souvent des chrysopes par ici. Ah, qu'est-ce qu'elles ont de si spécial?
Ce sont de jolis insectes, mais une fois mijotés, ils sont aussi très utiles pour préparer des potions. Regarde, dans la forêt interdite, des hippogriffes. Quelqu'un a dû les déranger. D'après les rumeurs, des hippogriffes ont été aperçus par ici. Tu crois que Poppy a déjà vu les hippogriffes ? Absolument. Elle leur a sûrement déjà donné un nom. Là, sur la gauche, c'est la forêt interdite. Comme son nom l'indique, les élèves ont interdiction d'y pénétrer. Pourquoi est-ce interdit ? Les professeurs affirment que c'est trop dangereux. Moi, je trouve que le mot interdit fait justement tout son attrait. Ah, et de l'autre côté de la crête, il y a Préolard, après cette ruine. Si je le pouvais, je passerais tout mon temps à explorer les environs. J'avoue que j'ai été surpris quand le professeur Weasley a dit que tu connaissais bien la zone. Comme tu es relativement nouvelle par ici. Elle a dit ça ? Elle me connaît mieux que je l'imaginais. Même si j'apprends beaucoup de choses en classe, il y a plein d'enseignements à tirer hors de l'enceinte du château. Tu prends tes marques ? Je me souviens d'avoir éprouvé un sentiment étrange les premières semaines qui ont suivi mon arrivée. Tout était si nouveau et inconnu. Je commence à m'habituer. Et toi, t'as fini par trouver tes marques ? Mon pays natal me manque, mais c'est très beau aussi, ici. Et sortir du château pour explorer les environs m'a beaucoup aidé à m'adapter. Je dirais que Poudlard, c'est un peu chez moi maintenant. J'espère que ça le deviendra pour toi aussi. Bonjour, Monsieur Moon. Connaissez-vous notre nouvelle recrue de 5e année ? Enchanté. Je vous conseille de faire demi-tour, Miss Onai. De faire demi-tour et de... courir. Tout va bien, monsieur ? Elle m'a regardé avec ses énormes yeux. De quoi parlez-vous, monsieur Moon ? Une demi... aiguise, immonde et poilue, et terrifiante. Je serai au château, à l'abri. Bonne chance à vous deux. Pauvre monsieur Moon, une demi-guise ? Je crois qu'il a un peu trop fait la fête au village. Je dois dire que je ne l'avais jamais vu dans un état pareil. On y est presque. Il y a beaucoup de choses à voir hors de l'enceinte du château, et pas seulement à Préolard. Je serais ravie de t'accompagner dans tes explorations. Si les rumeurs à propos des gobelins et autres disent vrai, mieux vaut être deux. Je m'en souviendrai, Nati. Merci. Et nous y voilà. Difficile de savoir par où commencer. Va aux Trois Balais si tu veux acheter une bière au beurre et à Honeduc pour acheter toutes les confiseries que tu peux imaginer. Je ne saurais pas dire quelle est ma boutique préférée ici. Je change sans arrêt d'avis. En tout cas, sache que tu trouveras tout ce que tu cherches à Préolard. Le professeur Weasley t'a dit de... Une nouvelle baguette. Amuse-toi bien. Et à tout à l'heure. Voici un esprit curieux. Non, c'est pas la bonne boutique.
de Merlin. Ça ne va pas recommencer. J'arrive dans une... Oh, c'est vous. Un instant, je vous prie. Ah. Bonjour, monsieur. Je cherche... Une nouvelle baguette. Oui. Ce n'est pas trop tôt. Oui, j'ai... Ce n'est pas trop tôt. Vous êtes notre nouvel élève de cinquième année. Mais qu'est-ce que je raconte, c'est évident. Gerbold Ollivander, enchanté. Mais nul doute que vous avez déjà entendu parler des Ollivander, les meilleurs fabricants de baguettes au monde. Je suis ravi de vous rencontrer, vraiment. À présent, suivez-moi. Cherchons la baguette idéale, voulez-vous ? Non, pas toi. Non. Ah, oui. Oui. Un cœur puissant, 26,6 cm, ça peut marcher. Tenez, essayez donc celle-ci. Allez-y, agitez-la. C'est étrange. Essayez encore. Allez-y, agitez-la vraiment. Allons-y. Eh bien, ça ne fonctionne pas du tout. Nous allons trouver, pas d'inquiétude. Non, pas toi. Oh. Ah, peut-être. Oui. Oui. Oui, un bois rare, 35 cm, cœur de dragon. Essayons celle-ci pour voir. Celle-ci n'a plus qu'à regagner l'étagère. La démarche est plus compliquée que je ne l'avais imaginée. Comme c'est curieux. Où es-tu ? Peut-être que... Elle était perchée. Oui. Je crois que tu seras la bonne. Allez-y. Prenez-la. Qu'en dites-vous ? Extraordinaire ! Chaque baguette marque le début d'un avenir magique radieux. Alors, qu'avez-vous ressenti ? C'était belle. Revelio. Levioso. Reparo. Action. Revelio.
Revelio. Revelio. Action. Revelio. Action. Revelio. Protego. Revelio. Action. Revelio. Revelio. Bienvenue chez Potion Pupin. Revelio. Excusez-moi. N'hésitez pas à jeter un œil à mon stock, ou à repasser plus tard si vous n'avez pas le temps aujourd'hui.
Excuse. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à parcourir l'ensemble de mon stock. Bonjour, bonjour. Excusez-moi. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Je suis sûr que vous trouverez des ingrédients intéressants. Rebellion. Bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Je ferai bien de retrouver mes... J'essayais de le battre à son propre jeu. Ça me plaît. Continue. Merlin, un deuxième... Vous avez réussi. Réparons. Voilà. Oh. Accordez-moi un instant. Je vais aller voir. Ah.
Réparo. Et coucou les tricards, j'espère que tu vas bien. Ouais, c'est le week-end. Missy Singer aura une chose de moins à régler. Réparo. Justement de toi. Je vais passer les dialogues. Bonjour. Ça va plus vite. Merci. C'était une visite. Je vends bien d'autres objets utiles au combat, si cela vous intéresse. N'hésitez pas à venir faire un tour dans ma boutique, quand vous le voudrez. Comment je vais m'enfin avec toi, c'est si toujours bien. Si il y a pas trop de monde, tu pourras même faire la connaissance de Cyrona, la propriétaire. Elle sait se montrer accueillante et c'est une puissante sorcière. Une personne à connaître. Tu as dit que tu te chargerais de l'enfant quand il serait à Préolar. Que tout ce qu'il te fallait, c'était une diversion. Je t'ai donné une diversion. Et j'ai vu une jeune personne éliminer ta diversion. Qui est cet enfant? Que me caches-tu? Tout ce que tu dois savoir, c'est que si tu ne peux pas t'occuper de l'enfant, tu ne m'es d'aucune utilité. Allons-y. Est-ce qu'ils nous ont vus? Non, je ne crois pas. Que faisait ce gobelin avec Victor Rockwood? Ranrock est de mèche avec Rockwood? Le gobelin de la Gazette du Sorcier? Je savais que je l'avais déjà vu. Vite, il faut qu'on entre aux Trois Balais. C'est un plaisir de vous voir, Lord Gok. Je vous dirai si j'entends quoi que ce soit. Merci, Cyrona. Bonne chance, alors. Bon, qu'est-ce que je... Oh, voilà un visage qui m'est inconnu. C'est la première fois que je viens. Bienvenue. C'est moi qui régale. On m'a parlé de l'attaque. Je rendrai une petite visite aux autres commerçants dès que possible. Ravi de voir que vous n'avez rien. Grâce à cette personne, abattre un troll sans aucune aide? Ah, vraiment? Bravo. Merci, c'est gentil. Mais de rien. Quand même. Des trolls après au lard. Ça n'était jamais arrivé. Ce n'est pas normal. Les seuls brutes auxquels on a affaire actuellement... Quand on parle du loup... C'est Lord Gok que je viens de voir partir. Ta clientèle n'est plus ce qu'elle était, Cyrona. Rassurez-vous, Victor.
Une fois que vous serez sorti, la qualité de ma clientèle n'en sera que bien meilleure. Je ne ferai pas ça à votre place, Théophilus. Allons, allons. Calmons un peu nos ardeurs. Je viens simplement pour cette personne. Laissez mes clients profiter d'une bière au beurre au calme. Je veux juste lui parler. Vous n'avez pas dû m'entendre. Je répète, cette personne est occupée. Vous n'avez pas déjà eu assez de violence pour aujourd'hui. Viens, Théophilus. Les trois balais, ce n'est plus ce que c'était. Ils ne méritent pas nos galions. Cette bière au beurre ne sera pas éternelle. On dirait que vous avez un ennemi redoutable. Méfiez-vous d'eux. Rockwood et Harlow sont plus terribles que n'importe quel troll. Des trolls, Ranrock et Rockwood? Qu'est-ce que tu me caches? Je te promets de tout te raconter, mais je préfère garder ça pour plus tard. Je pense que le moment est venu de retourner au château. Heureusement que Sirona était... Et qu'elle n'est... Passer une nouvelle journée. Venez me voir. J'ai fait une découverte au sujet du médaillon de Gringotts. Qu'est-ce que vous mijotez ? Votre attention, s'il vous plaît. Il y a tellement de choses en ce moment, il y en a si peu de temps, ouais, c'est vrai. C'est pas faux. Professeur. Moi de même. Ils veulent... Je vais prévenir le professeur Hecat de votre venue.
Hey, tu peux m'aider? J'ai entendu dire que tu protégeais Préola. Si seulement il y avait une nouvelle tête. Je suis là pour... Vous savez où me trouver quand vous aurez terminé. J'ai l'impression que l'existence de joutes magiques n'est pas vraiment un secret. Qu'une bonne âme voudra bien m'aider? Faire un combat? Je crois bien. Voyons qui se présente. Personne ne me fait peur dans cette école. Je sais, Sébastien, je sais. Bonjour, Lucan. Oui. Oui. C'est parti. Que dirais-tu d'une petite rosée? Désolé. Mange des experts. Mange des experts, c'est... voilà, c'était simple. Bravo! J'ai donné tout ce que j'avais. Celui qui remporte la prochaine manche, gagne. Bonjour, Lucan. Ce serait super. Voilà, comme ça. Leviosa. Très bon travail. Leviosa. Action. Bon travail. Je pense que l'entraînement est terminé. Tous mes devoirs sont finis.
Tu as gagné. Tête pour m'aider à me sortir. J'imagine que Monsieur Brattleby a pu vous aider. Et que... J'ai terminé. Concentrez-vous. Ça pour débloquer une cédule. Baguette fermement. Voilà, une cédule s'est débloquée. Pour vous. Incendio, vous vous améliorez. Continuez en essayant de ne pas vous brûler. Incendio, mettre le feu partout est fascinant, n'est-ce pas? Voudra bien m'aider? Bonjour, monsieur. Sachez... Bon, si nous continuions... Fig, j'ai besoin de vous. Venez. Monsieur le directeur, je suis occupé et mon emploi Votre emploi du temps, je m'en moque éperdument, comme de votre élève. J'aurais cru qu'après tous les problèmes survenus avec Osric, vous auriez envie de vous rattraper. Dans mon bureau, et dépêchez-vous. Cet homme m'exaspère. Malheureusement, notre escapade dans la réserve va devoir attendre encore un peu. Mais, professeur... Nous n'avons pas le choix. Il ne serait pas très avisé de provoquer une fois de... Sébastien m'a dit qu'il s'était introduit dans la réserve de la bibliothèque. Il aura peut-être une idée. Sébastien. Il est... Merci. Et les préfets. Tu vois ça? C'est la porte qu'on doit atteindre. Et ces casse-pieds de préfets n'ont qu'une envie, c'est de nous dénoncer à Scribe. Alors fais en sorte qu'il ne te voit pas. C'est bien compris? Je peux me faire discret. Allons-y. Un petit instant. Le sortilège de désillusion te sera bien utile. Il est idéal pour accéder à des endroits qui nous sont interdits. Lance-le et tu seras à peine plus visible qu'un léger effet de lumière. Tant que tu gardes tes distances, et que tu ne fais pas de bruit. Tu veux dire que je pourrais vraiment devenir invisible? Ça s'en rapproche. Ce n'est pas aussi efficace qu'une cape. La désillusion.
je vous vois, les préfets vous verront sûrement aussi. Serait plus discret qu'un Joe Barbie. La bibliothécaire est encore là. Vite, derrière l'étagère. Oh non. Tu m'avais dit que la bibliothécaire serait partie. En général. Mais ça va aller. Tu vois son... Je vais créer une diversion pour l'éloigner. Profite. Tu l'occupes ? La clé, elle est là. Ça n'a pas été si difficile, finalement. Maintenant, je dois trouver ce livre. Ah, celui-ci est enchanté pour avoir l'air utile. Je me suis fait avoir deux fois. L'habit ne fait pas le moine, comme on dit. Un fantôme. Ne te fais pas remarquer. La voie est libre maintenant. Nous n'avons plus besoin de nous cacher. Mais qu'est-ce que tu cherches alors ? Je cherche un remède pour guérir ma sœur jumelle, Anne, pour qu'elle puisse revenir à Poudlard. Tout le monde a abandonné, mais je ne peux m'y résigner. Pourquoi penses-tu trouver un remède dans la réserve de la bibliothèque ? L'infirmière de Poudlard n'a rien qui puisse aider Anne ? Non, on a tout essayé. De Madame Blaney à Sainte-Mangouste. Mais je peux m'en occuper tout seul. Ne t'inquiète pas pour moi. Concentrons-nous sur ce que tu cherches. De quoi s'agit-il exactement ? Je le saurai quand je le verrai. C'est bien des mystères. Action ! Levioso ! Là. Sébastien Palot en bonne compagnie, attrapé en pleine exploration interdite. Vous n'avez pas à être ici. Vous serez puni. Yves, n'essaie pas. Je vais le dire. Ah, oh, maudit Peeves. Je dois l'arrêter.
Attends, je... Où est donc passé ce satané esprit frappeur? Je connais le sort idéal pour réparer cette armure. Réparons. Bien sûr, des traces de magie ancienne. Cette pièce cache quelque chose. Voilà. Où peut-elle bien mener ? Les vieux sont. Action. Des gardes. C'est pas surprenant.
Leviosa. Réparons. Action. Incendio. Ça passait. Je dois sûrement emprunter cette porte. Mais où mène-t-elle ? J'y suis presque. Oh merde. Il faut que je fasse attention. Ah, thanks falling, Julie One. Ah, merci, bienvenue. Critique. Là, je suis presque en train de mourir, c'est pas grave. J'ai plus de potions, donc c'est pas grave, on s'en fiche. Ce n'est qu'un livre.
vouliez me voir, directrice Fitzgerald, professeur Rackham. Miss Isidora Morganac, bienvenue. Professeur Rockwood, professeur Baccar. J'ai cru comprendre que vous vous intégrez plutôt bien à Poudlard. Tout à fait. J'en suis ravie. Entrer directement en cinquième année n'est pas une situation habituelle. Eh bien, en fait, j'ai moi aussi été admis à Poudlard en cinquième année. Mais je crois bien que nous sommes les seuls. Miss Morganac, hier, lors de notre discussion après les cours, vous avez mentionné les magnifiques tourbillons que vous avez vus il y a des années dans votre hameau. Je vous ai tous reconnus dès mon arrivée. Merci infiniment pour tout ce que vous avez fait. C'était un plaisir. Et oui, j'ai vu les tourbillons de magie, partout ce jour-là. Mon père persiste à dire que c'était mon imagination qui me jouait des tours, mais ça m'a paru très réel. Ce n'était pas votre imagination. Percival, professeur Rackham peut les voir aussi, mais personne d'autre à ma connaissance ne le peut. Je ne comprends pas, qu'est-ce que c'est ? Les murmures ou les traces qui apparaissent lorsqu'une forme précise de magie ancienne est utilisée. De la magie ancienne ? Peu de personnes sont capables de la manier. L'école de Poudlard est constituée de cette magie ancienne. Alors si je vois des traces de magie ancienne, cela veut-il dire que je peux aussi la manier ? Avec un peu d'entraînement. Mais ne nous avançons pas trop vite, Miss Morganac. Avant d'apprendre à manier ce type de magie, vous allez devoir maîtriser tous les enseignements de Poudlard. Entre de mauvaises mains, une magie aussi puissante peut être dangereuse. Elle ne doit être maniée que par quelques privilégiés. Et c'est pour cette raison que nous devons vous demander de garder notre conversation secrète. Sébastien. Vous êtes encore à rôder dans la réserve, ce que je vois. Je croyais que c'en était fini de ces bêtises. De toute évidence, les retenues ne servent à rien. J'ai bien peur de devoir rapporter cela au directeur. Mais... Cela étant dit, Peeves m'a soufflé que vous n'étiez pas venu seul ce soir. Si l'on vous a forcé la main, vous devez me le dire. Vous êtes intelligent. Ne gâchez pas cette chance. Il n'y a personne d'autre. Je suis venu seul. Oh, Sébastien. Que va en penser votre oncle ? Pas sérieux. Des gobelins qui s'associeraient à Rockwood ? C'est absurde. C'est plutôt inhabituel, je vous l'accorde. Revelio. Inhabituel ? C'est inconcevable. C'est... Ah, Fig, vous avez de la visite.
vais voir ce que je peux trouver. Monsieur, j'ai pu fouiller la réserve de la bibliothèque pendant que vous étiez avec le professeur Black. C'était un livre que nous cherchions. Quoi ? C'est... une minute. Oh ! Oh non ! Certaines pages semblent être manquantes. On dirait que quelqu'un a trouvé le livre avant nous. Bien. Je vais tout de même me pencher sur ce qu'il en reste. Peut-être pourrons-nous en tirer quelque chose d'utile, mais cela prendra du temps. Je me demande ce qu'il faisait là, sous Poudlard. Je crois savoir, monsieur. Je comprends. Oh, et ne négligez pas vos amis. La quantité de choses qu'ils peuvent vous apprendre vous surprendra. Il est temps de montrer tes talents de duelliste et d'essayer de remporter le titre. Retrouve-moi à l'endroit habituel pour la dernière manche de shoot magique. Oh, et le mannequin d'entraînement est toujours là. Retrouve-moi à Campolar en bas dès que possible. Les murs du château ont des oreilles et j'aimerais te parler de Rockwood et d'Arlo. Le professeur Fig et le professeur Weasley m'ont demandé de vous enseigner un nouveau sort de défense. Veuillez terminer les devoirs que je vous ai donnés, puis venez me voir dans ma salle de classe. Quelque chose là-dedans, j'en suis certaine. Comme mon grand-père était là.
ça m'intrigue. Ah, quel plaisir de te voir ici. Salut, Nati. Ils veulent... Je passe le dialogue. Tant mieux. Ah, pas quand c'est des grosses cinématiques, je les laisse passer. Je les laisse tourner, je veux dire. Sois sur tes gardes. Pardon ? Comment osez-vous me menacer ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Ils ont dû passer par là. Réfléchis. Et dis-moi, j'aurais vu qui, selon toi ? Je suis occupée avec mes recherches. Je n'ai pas le temps de... Victor Rockwood n'a absolument rien à faire de votre emploi du temps. Tiens, quand on parle du loup, Monsieur Rockwood aimerait te dire deux mots. Un élève ? Tu n'es pas certain... J'en ai assez de toi. Laissez-la tranquille. Stupéfie ! Je regarderai la lueur de la vie quitter tes yeux. C'est passé, bon sang. Je n'avais jamais été agressée de la sorte, et si près de Poudlard. Est-ce que ça va ? Oui. Vous me... Merle ? Je con... Voilà. J'ai apporté un coffre rempli de mauve douce. Il est là-bas, à côté de ma tante. Ce coffre ? Oui, servez-vous généreusement, même si vous en avez déjà. J'ai la mauve douce. Parfait. Maintenant, observez les plantes sur ces piliers, là, ainsi que le tourbillon au sol. Chaque épreuve contient ses éléments. Placez la mauve douce sur la pierre et nous verrons bien ce qu'il se passe. Vous avez vu ? Les plantes ont disparu ! Leviosa, que dois-je faire maintenant ? Action ! Nous sommes en territoire inconnu. Je me demande à quoi Incendio. C'est... Incendio ! Barbe de Merlin ! Les flammes font sombrer le bûcher. Je n'en reviens pas. J'en dis. Faites bien attention, surtout. Maintenant que j'ai ce qu'il me faut, je pars retrouver mes notes et mes livres. Thank you.
ne peut pas être aussi difficile que ça en a l'air. Est-ce qu'elle fait encore pousser des oignons piquants ? Bonjour, professeur Bulbille. Comme c'est merveilleux de vous revoir, ma chère Lenora. Oh, tenez, vous en aurez besoin pour le cours d'aujourd'hui. Un petit cadeau pour votre tante. Oh, bonjour. Les enfants, veuillez accueillir cette nouvelle rose dans notre jardin. Nous avons tout un savoir à cultiver. Comme c'est réjouissant de voir tout le monde réuni à nouveau. Cette année sera pleine d'enchantement et d'excitation. Mais ce que nous cultivons avant tout en botanique, c'est la connaissance. Tout botaniste prudent n'a pas plus peur de la tentacula vénéneuse que du bulbe sauteur. Allons-y. Aujourd'hui, nous allons nous familiariser avec le mélodieux tubercule appelé racine de mandragore. Axio. Voyons si nous pouvons mettre nos amis fibreux un peu plus à leur aise, voulez-vous ? Commençons par protéger nos oreilles. Maintenant, chacun saisit sa mandragore par les vrilles et la tire fermement. Envelopper la racine comme une couverture confortable afin que la mandragore s'y sente bien. Réparo! Je suis terriblement désolée. La vôtre était déjà un peu grande, je le crains. Bon, allez, file, veux-tu? Très beau travail, tout le monde! La tâche suivante consistera à planter du dictum à la table de... Je me demande si les hippogriffes aiment le polygonome. Oui, professeur. Tout d'abord... Ah. Bon, comment équilibrer mon bouquet de chardon étoilé avec... Les propriétés régénérantes du dictum en font un ingrédient indispensable de la potion Wiganweld, comme vous le savez tous grâce au cours du professeur... Beau travail! Salut. Tu allais après Olar l'autre jour, non? Ravi de faire ta connaissance. Au fait, beau travail en défense contre les forces du mal. Pardon? Oh, ton duel contre Sébastien! Et il est très doué. Enfin, c'est ce qu'il pensait. Mais tu l'as complètement... Nous y sommes. Le royaume du chou mordeur de Chi. Vas-y, attrape. Tu vois ce mannequin? Ils s'occuperont du reste. Excuse-moi, mais... Revelio. Regarde ça. Ils n'hésitent pas à mordre tout ce qu'ils trouvent avec leur bouche. Ma mère en a planté l'année dernière pour éloigner les gnomes. Elle a économisé sur le dégnommage, mais ils ont détruit ses jonquilles klaxonnantes. C'est vicieux. Prends ton temps. On se voit en classe. Et voilà pourquoi nous devons en permanence porter nos gants en cuir de dragon. Ce sera tout pour aujourd'hui. J'ai pris soin des...
Mandragore apprécient leur nouveau pot. Ça va coûter les deux tympans. Pour entretenir une chose, il faut la comprendre. Ça vaut pour les plantes comme pour les amitiés. La gentillesse et la douceur. Action. C'était il ne devrait pas y avoir des aurores ou des gens du ministère pour... Le professeur Black ne le permettrait jamais. Il passerait pour un incompétent. Les potions sont l'une des matières les plus difficiles et dangereuses enseignées dans cette école. En tant que cinquième année, vous devrez atteindre de nouveaux sommets en termes de discipline et d'intelligence. Ce semestre, vous commencerez par concocter une potion Wiganweld. Monsieur Takar, pouvez-vous nous dire pourquoi cette potion peut s'avérer utile ? Oui, professeur Sharp. La potion Wiganweld peut être utilisée pour stériliser et même guérir diverses blessures. Elle peut guérir certaines blessures, mais pas toutes. Des points pour Serdel. Avant la fin du cours, chacun d'entre vous devra avoir concocté sa propre potion Wiganweld. On dirait qu'il est bourré, le monsieur. Vous ne savez jamais quand vous pourrez quand en il avoir marche. Besoin. Il est bien cool avant veuillez de venir procéder. Ou quoi. Je sais où là. Vous devez broyer les ingrédients d'un geste ferme et régulier. Prenez bien garde en ajoutant la poudre à vos potions. Le moindre éternuement peut causer un désastre. Je vois que la plupart d'entre vous savent encore mélanger. Cette potion est difficile à préparer. Mes parents ont hésité à m'envoyer à l'école cette année, après... Est-ce que j'ai entendu le professeur ? C'est ce qui... Rebellio. Niveau 9, je peux pas. Les sorciers bien avisés ont toujours quelques potions. Voici la. Doit-on hacher le dictam ou le broyer ? Attention, une mauvaise réponse pourrait vous coûter vos sourcils. La potion est durus. Maintenant, on ajoute la mauve douce et... Étrange. Que se passe-t-il ? C'est pas censé... Ah ! Arrête ! Ça suffit !
professeur Sharp a dû apprendre tellement de choses quand il était Aurore. Désolé, professeur. Des points en moins pour Gryffondor, encore une fois. Monsieur Weasley n'a pas pu faire ça tout seul. Son ou sa complice devra également répondre de ses actes. J'ai préparé une... Je ne vois pas de... Je pense que nous avons... Réveillon. Le cours est terminé. Ah, je crois que mes vêtements vont garder l'odeur de l'expérience. Je crois qu'il y avait aussi des œufs de Doxy. Sœur Nicolas, le fantôme de notre maison te cherche. Tu peux le retrouver près de la grande salle. Incendio! Levioso! Incendio! Incendio. Ah. Triangle, machin. Triangle rond, bidule et truc chouette, ouais. Ah, c'est deux. Deux. Ah, faut que je mette sur le 1. Donc du coup. Et 3 alors. Ouais, ça c'est bon. J'essaie de résoudre un peu cette énigme sur la dalle. 2, machin. Voilà. 3. Ça c'est 4. Ah, gagné.
Revelio. Doit avoir des centaines de hiboux dans ta volière. Salut, c'est moi, Garrett. Vous là, oui, oui, vous. Je me demandais. Vous vouliez me voir, monsieur? Oui. Attendez, comment savez-vous pour le livre? Et aussi qu'il manque des pages. Les informations circulent entre fantômes. Monsieur Palo et vous avez été aperçus dans la réserve de la bibliothèque. Pas d'inquiétude, je garderai le secret. C'est peut-être une conclusion hâtive, mais je crois savoir qui a récupéré ces pages. Je serais ravi de vous conduire à lui, si vous aviez l'amabilité de me rendre un petit service en chemin. Un petit service en échange de ces pages. Oui, ce n'est pas grand-chose, vraiment. Je vous saurais gré d'aller faire un saut dans la cuisine pour vous procurer un peu de roast beef avarié. Je vous demande pardon. Un roast beef? Un roast beef avarié? C'est exact, du roast beef avarié. En flottant à travers au bon moment, on peut presque en sentir le goût. Oh, je devrais pouvoir m'en charger. Mais pourquoi moi? C'est très simple, mon jeune ami. En tant que fantôme, je ne peux le porter. À présent, si vous voulez bien récupérer le roast beef, je vous... Restons tant voulu. Ah, Revelio. Voilà. Chatouiller la poire et entrer. Comment ça, chatouiller la poire? Oui, sur la peinture. Essayez de ne pas déranger les elfes de maison. J'imagine déjà le délicat fumé de... Revelio. Thank you.
Un élève ? Les élèves sont incompréhensibles. Mais pourquoi ? Il devait avoir faim, j'imagine. Un mange. Révelio. Ça sent très bon ici. Oh, quelle odeur répugnante. Je ne dois pas être loin. Oh, un élève! Mais quelle chance! Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Une pâte à citrouille ou peut-être une tartine au fromage? C'est appétissant, mais j'ai juste besoin de ce roast beef avarié. Ah, c'est Nick qui vous envoie, n'est-ce pas? Servez-vous. Pinky suppose que Nick en... C'était un plaisir. Revelio. Il n'y a rien de meilleur qu'un repas préparé par un maître de maison. Revelio. Très bien. La sensation du vent soufflant. Restez derrière moi. C'est Sir Patrick qu'il nous faut. Oh, Nestor, regardez qui est là. Nous en avons déjà parlé, Nick, quasi sans tête. Bonjour, Sir Ramset. Permettez-nous. Nous avons quelque chose pour Sir Patrick. Il est sans doute venu pour nous supplier encore. Il vous parle toujours de cette façon? Ah, ils sont taquins. Quand Sir Patrick m'introduira dans le club des chasseurs sans tête, je serai des leurs. Ce cadeau le convaincra sûrement. N'oubliez pas pourquoi je suis là. N'ayez crainte, vous aurez bientôt les informations sur le jeune Shuka. Ou qu'il se soit fourré. Je donnerais tout pour une cruche d'hydromel ou un bon gigot d'agneau au flageolet. Ces festivités seraient alors parfaites. Que diriez-vous d'un lot presque aussi bien ? Sœur Nicolas, et une jeune personne, que faites-vous ici ? Nous avons un cadeau pour vous. Cela me paraît louche. Que voulez-vous réellement ? Même si je crois savoir. Eh bien, c'est Richard Shuka. Où peut-on le trouver? Pourrait-on lui parler? Richard, c'est ça? Eh bien, il se trouve juste ici. En revanche, sa tête manque à l'appel. Je suppose que vous ignorez ce que ça fait, Nick. Non. Quel plaisantin. Elle doit bien être quelque part dans les parages. Elle sert sûrement pour un jeu. Si vous la trouvez, je vous donne l'autorisation de lui parler, jeune mortel. C'est le moins que je puisse faire pour vous, qui m'a porté cet exquis présent putréfié.
Sœur, j'aimerais discuter d'autre chose avec vous. Je vous prie. Sœur Nicolas, combien de fois devrais-je vous le dire? Nos règles sont parfaitement claires. Mais sœur, je... Ah, nous ne sommes pas les chasseurs, sans tête à part un petit bout de tendon, après tout. À présent, permettez que je vous raccompagne jusqu'à la sortie. Au revoir, mon jeune ami. J'espère que vous aurez plus de chance que moi. Cette fois, je crois qu'il Revelio. Une carte. Elle semble pas avoir de lien avec les pages manquantes. Je vais la garder pour l'instant.
sera le prochain à jouer à cache-cache au milieu des citrouilles? C'est encore moi. Si c'est... Allez, lancez des sorts. Bon, si je pourrais le faire. Je crois que nous allons devoir nous trouver une autre citrouille. Ah, oh, peu importe, mon frère. Je ne suis pas sûr de beaucoup apprécier ce qu'il se passe. Le fantôme a dit que je devais tous. Qui aurait cru qu'un saint être. Suis-je revenu ici? Qui aurait cru qu'un simple être mortel puisse être aussi dangereux? Tu l'as presque. Heureusement, ce n'est pas moi qui devrais nettoyer tout ça. Il n'y en a plus pour longtemps. Tu vas le trouver. C'est la première fois que je vois cette méthode. C'est amusant. Qui aurait cru qu'un simple être mortel puisse être aussi doué? Tu l'as presque. Heureusement, ce n'est pas moi qui devrais nettoyer tout ça. Pour longtemps. Moi aussi, je pourrais le faire si j'avais une baguette. Et encore. C'est fini? Ça continue encore? Heureusement, ce n'est pas moi qui devrais nettoyer tout ça. Moi aussi, je pourrais le faire si j'avais une baguette. Et encore. Ma vie mortelle n'avait jamais été aussi distrayante. Oh, on va s'amuser! Un être mortel participe! Continuez de chercher, vous finirez par le trouver. Bravo à vous! Mais nous n'en avons pas fini. Qui aurait cru qu'un simple être mortel puisse être aussi doué? Tu l'as presque eu. Heureusement, ce n'est pas moi qui devrais nettoyer tout ça. C'est trouvé. Il y en a plus pour longtemps. Bon travail! Bien sûr, avoir une baguette vous a aidé, mais je pense tout de même... Chouette open world, si j'avais le jeu, je pensais à mon temps volé avec le balai, ouais. Pas mal pour un être mortel. C'est vrai. J'ai... «
Cette fois, je crois qu'il est impliqué jusqu'au cou. Et bien, sur ce, c'était Hogwarts Legacy. Du coup, je vous souhaite tous une bonne fin week-end. Et puis, nous, on se retrouve bientôt pour d'autres jeux à faire. Voilà. Sur ce, passez bonne fin week-end. Et puis, à la prochaine. Je remercie Litrika. Et puis, je remercie Dilul 1 d'avoir follow. Que si c'est un faux follow, je ne sais pas si c'est un vrai follow, donc j'ai aucune idée. Donc wali walou. Donc du coup, je vous remercie tous et toutes. Du coup, bah oui, oh non, déjà, bah oui, hein, j'ai déjà fait 3h30, c'est déjà pas mal. Donc sachant que le dimanche ça passe très très vite la journée. Donc du coup, je vous remercie à toutes et toutes. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, sur ce, ciao ciao tout le monde. Thank you.